Projet ça a 30 millions d'euros ça, que je suis que député PSCA, député PSCA, bien content qu'on ait que 30 millions d'euros pour investir dans Matissan et Bayerzo. Je vais aller dans la rénovation quartier, je vais aller dans la construction pont, dans l'élargissement route, dans mettre lumière, dans le travail sur la ville, dans faire petit place, dans faire trottoir, dans faire assainissement, nettoyage. C'est dans ça. Dans la rénovation du quartier, pour faire le quartier plus belle, pour faire le quartier pour les résidents du quartier, pour sentir qu'ils sont fiers du quartier. Il y a plusieurs photos que le directeur exécutif du CLBP a dit que le placé là, donc on va regarder après. Et ça a rentré dans le cadre de l'embellissement du pays. Ça a rentré dans le cadre de faire Haïti un pays plus belle et n'a fait le quartier par quartier. Donc on est que nous commençons avec quartier jalousie, nous avons une différence dans le n'importe qui est passé devant jalousie. Après quartier jalousie, nous avons que quartier a été plus belle, les plus jeune. Et UCLDP dit qu'il a construit un stade là, et le stade là presque fini. Donc, je vais prendre le stade là qui est pour nous inaugurer le stade là ensemble. Donc, nous gagnons 17 quartiers en tout que le gouvernement a travaillé là-dedans. Et depuis que le président Matéli là, il fait de rénovation ça en priorité. Et c'est pour ça que je voulais venir personnellement aujourd'hui pour me lancer le ballon, pour que je me centre le ballon sur la rénovation, nouveau projet dans Matissan avec Bayerzo. UCLDP, ensemble avec SIAP, travaille très dur pour que mes projets de rénovation soient une réalité. Et nous, le travail, nous, la qualité de travail que UCLDP a déjà, lui montrer que Haïti a un cadre et une possibilité. L'œil au bail, une chance pour le faire d'excellent travail. Et c'est comme ça que nous avons qualité de travail qu'a fait à travers le pays, que ce soit dans le quartier Jalousie, que ce soit dans la cité Maria, que ce soit dans la cité Soleil, qui a rénové, que ce soit dans Jérémy, dans Sainte-Hélène, que ce soit au Cap-Haïtien, que ce soit à Gonaïve, il y a plus que 1000 cas qui a rénové, que ce soit Benagous, il y a un cas qui a rénové. Donc, il y a un cas. Dans le quartier populaire, très certainement, le quartier populaire en Haïti n'a pas de la qualité d'investissement là-dedans. Cependant, lorsque nous héritons une situation, côté que eh bien, tout le pays a des difficultés et il y a beaucoup, un pile de travail encore qui vous fait dans le quartier populaire. Donc nous-mêmes, nous avons fait ça capable avec les moyens que nous gagnons. Et c'est pour ça que nous remercions l'Union européenne. Je dis pour 30 millions d'euros qui peuvent atterrir dans Matissan et Bayerzo. On fait deux programmes, un programme modèle de réussite pour l'autre quartier capable de bénéficier. Et pour que non seulement nous rénovions la population, mais nous rénovions tout le service qui est autour de la. Pour ne pas dire que c'est peinture, la peinture, car pendant que je ne vais pas même connaître ce qu'on fait. Ça n'est pas même pris le temps pour chercher qu'on est, ça qu'a fait vraiment. Il est important pour que l'on a parlé, pour que le peuple comprenne bien ça n'a dit, surtout l'on a parlé de rénovation Matissan avec Bayerzo. Parce que l'est important pour le peuple Matissan comprenne ça qu'a fait là, l'est important pour le peuple Bayerzo comprenne ça qu'a fait là, et l'est important pour que tout le peuple haïtien comprenne que le gouvernement, ensemble avec les partenaires internationaux, travaille pour que les conditions de vie améliorées. Pour que Haïti soit un pays plus solidaire, moins division, division va mener aucun côté. Et j'entends cette minute dit, c'est l'union qui fait la force. Et c'est à travers l'union ça, c'est à travers tête ensemble ça qu'on a bien stabilité politique dans le pays. C'est à travers l'union, c'est avec tête ensemble que on est capable de continuer à travailler pour le développement du pays pour que eh bien, Haïti soit un pays émergent en 2030. Nous avons tout nous souhaité, nous avons tout nous déclaré.